OK. J'ai amené le devoir au cas où il y aurait des questions. Ça me semble un peu fort, ça. OK, alors vous avez tous vu que la solution du devoir 3 est disponible, vous voulez regarder ça. Un autre élément que j'aimerais mentionner, parce que il y a un commentaire qui était survenu quelque part, je ne sais pas trop où, où quelqu'un disait, j'aimerais savoir les solutions des labs. Les solutions des labs, je les poste tout le temps le samedi à la fin de la semaine, là. Ça pourrait arriver que j'oublie, là, mais toutes les solutions sont sur la page des notes de cours, là, aussitôt que je peux, je les publie là. Est-ce qu'il y aurait des questions par rapport au devoir courant, au devoir 4? Un peu tôt encore. Vous avez un examen, encore un examen en maths discrète? Un à chaque deux semaines. C'est des examens choix multiples ou? En même pas? Non, je pensais juste à la personne qui a corrigé tout ça, là. C'est juste pour nous, c'est assez intense la journée de l'examen, là, de corriger 80 copies avec du code, là. C'est assez intense. Donc, il n'y a pas de questions. Vous allez travailler là-dessus en fin de semaine. Good. OK. Fait que mon plan de match aujourd'hui, c'est de parler d'application des fils, puis de parler vraiment très spécifiquement d'un algorithme qui s'appelle un algorithme de parcours en largeur, qui est un algorithme qui a été développé dans le contexte de l'intelligence artificielle, puis qui est beaucoup utilisé. Moi, je le trouve assez le fun. Si vous regardez puis vous vous impliquez à essayer de comprendre cet algorithme-là, il y a normalement plein d'idées qui jaillissent. À la fin du cours, il y a souvent des étudiants qui viennent me dire « Ouais, j'ai cette idée-là pour l'améliorer. » Puis vous allez voir, c'est assez simple, puis c'est assez fertile comme terrain de jeu. OK? Donc, avant d'aller dans le parcours en largeur, je veux simplement mentionner des endroits en programmation, en informatique, où est-ce qu'on utilise des fils. Il y a tout ce qu'on appelle les traitements asynchrones. Donc, « a » comme « n'est pas », puis « synchrone » comme « synchronisé ». Tout ce qui n'est pas des traitements synchronisés. Donc, c'est des traitements où on a deux unités de calcul, puis ils ne traitent pas les données nécessairement à la même vitesse. Un ordinateur n'est pas prêt à traiter les données à la même vitesse. On peut imaginer un supercalculateur, là, un gros ordinateur de 300 millions de dollars qui est en train de générer des données. Bien, il peut évidemment inonder un plus petit ordinateur. Donc, on va mettre entre les deux serveurs une file qui va nous servir à tamponner les données. Donc, celui qui produit les données à une très grande vitesse les met dans la file. Et quand la file est pleine, va devoir faire une pause ou faire autre chose. Et le client, lui, ou le consommateur, va traiter les données à la vitesse qui lui convient. OK, donc ça, on appelle ça des traitements asynchrones. Quand on fait de la programmation système, quand on ajoute des éléments au système d'exploitation, on fait souvent beaucoup de programmation système. Donc, le client va insérer dans une file et le serveur va retirer les éléments de la file. Dans ces cas-là, on parle d'un tampon ou en anglais un buffer, mais dans les faits, il s'agit de notre type abstrait de données, la file. Okay, j'avais déjà mentionné au dernier cours qu'on était très heureux que les gestionnaires d'imprimantes utilisent des fils et non des piles. Les opérations sur les disques, quand notre microprocesseur écrit de l'information,
le microprocesseur tourne à 3, 3.6 GHz. Le disque est possiblement beaucoup plus lent. On va placer entre les deux une file. On va appeler ça un tampon, un buffer, qui va être utilisé. Ça fait que, entre autres, c'est intéressant parce que quand on a des applications qui utilisent des entrées-sorties, s'il n'y avait pas un tampon entre les deux, l'application gèlerait. Puis là, on ne peut plus rien faire tant que les données n'ont pas été sauvegardées avec succès sur le disque. Fait que là, ça serait vraiment désagréable d'avoir une application. On est en train de faire quelque chose, puis d'un coup, elle gèle. Je suis en train d'écrire sur le disque, puis il faut attendre. On continue à travailler. Ah, je dois sauvegarder quelque chose sur le disque. Ça gèle. Alors là, en mettant un tampon, l'ordinateur écrit les données à une très grande vitesse. Il nous revient. On continue à traiter des informations, puis le disque va sauvegarder ça à sa vitesse sur ses disques physiques. Évidemment, les paquets sur l'Internet aussi, il y a des cartes réseau qui utilisent des tampons. Je vous ai déjà parlé de l'idée des systèmes d'exploitation qui utilisent un algorithme qu'on appelle Round Robin, où le système d'exploitation va utiliser des paquets d'informations, des petites unités, pour représenter chacune des applications qui tournent. Et va prendre l'élément qui est à l'avant de la file. Donc, c'est peut-être Microsoft Word. On y fait passer quelques millisecondes sur le processeur. On remet la représentation de l'application à la fin. Je prends le prochain élément qui est l'élément avant. Peut-être c'était Messenger. Il va passer quelques millisecondes sur le CPU. Il revient à l'arrière. Je prends mon furteur, il va passer quelques instants sur le CPU, il revient à l'arrière. Puis on répète comme ça des milliers, des millions ou des milliards de fois à la seconde ces choses-là. Ça nous donne l'impression que l'application est constamment en train de tourner, a constamment accès au microprocesseur. Il y a un truc qu'on appelle IPC, Inter-Process Communication, où on peut avoir deux applications qui se parlent, puis ne sont possiblement pas sur le même ordinateur. On veut appeler des méthodes, mais ils sont sur un autre ordinateur. On va placer une file entre les deux. Le client va ajouter des éléments, puis le serveur va ressortir les éléments de la file à son rythme. Donc, le code pourrait ressembler à l'application tourne jusqu'à ce qu'elle soit éteinte. Il y a une boucle interne. Est-ce que ma file est pleine? Non. J'ajoute des éléments d'information. Je reviens à l'extérieur. Est-ce que c'est plein? Je dois attendre. Je boucle à l'extérieur. Éventuellement, le serveur a traité l'information. « Ah, la file n'est pas pleine. Je viens à l'intérieur, j'ajoute un élément, reviens. Si elle n'était pas pleine, j'ajoute. » Donc, du point de vue du client, le code ressemble à ceci. Et du point de vue du serveur, le code ressemble à ça. Il y a vraiment ces serveurs-là, parfois on les appelle des « demons », des démons. Ils sont vraiment, vous allumez l'ordinateur, oups, l'algorithme, le programme se met en marche. Puis le code a souvent cet aspect-là. Tant que l'ordinateur ne sera pas éteint, je traite. Je vais dans la boucle interne. Si la file n'est pas vide, oups, je prends un élément, je fais un certain traitement. Reviens à l'intérieur ici, la file n'est pas vide, je prends un élément, je le traite. Éventuellement, possiblement, il n'y a plus d'éléments à traiter. Je vais juste boucler à l'extérieur. J'attends. Éventuellement, oups, quelqu'un a mis quelque chose dans la file, on va à l'intérieur, puis on va traiter ces données-là. OK, donc ça, c'est des exemples d'application des files au niveau programmation système. Donc, les gens qui sont, par exemple,
en génie informatique qui vont faire beaucoup de programmation système vont faire des applications de ce type-là, bien souvent. Un autre endroit où on utilise des fils, c'est dans les simulations, puis ça, vous avez un lab pour ça. Dans le laboratoire, vous simulez un supermarché. Moi, quand j'étais à l'université il y a une couple d'années, j'avais pris un cours de simulation, puis on était vraiment allé à l'extérieur, à l'intersection des rues, plusieurs étudiants, puis on notait l'heure d'arrivée des véhicules. Puis après ça, on avait construit des applications où on générait des arrivées de voitures, puis on changeait la durée des feux, ajouter un feu pour tourner à droite, des choses comme ça. Puis on pouvait mesurer le temps moyen d'attente au feu, des choses comme ça. Donc, ça nous permet de faire des expériences à peu de frais, de varier les paramètres de vraiment de façon simple, sans avoir à faire d'expériences coûteuses. OK, fait que tout ça, c'est des exemples. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ça. C'est vraiment juste des exemples. Là où on va vraiment jouer, c'est avec le parcours en largeur. Comme je vous disais, c'est le genre de trucs qui sont assez utilisés en intelligence artificielle. C'est assez. Moi, je trouve ça assez le fun. Fait que vous allez voir de quoi il y en est. Donc, je me lance un terminal. Je le mets un petit peu plus gros pour qu'on puisse lire ce que je fais. Je vais le rapetisser encore un peu. Comme ça. Bon. Je m'en vais sur mon bureau. Puis, je vais compiler mon implémentation d'une file. OK, donc, je vais utiliser l'implémentation qu'on a regarder il y a quelques cours pour les fils. Puis, je vais ouvrir ça pour jouer avec. OK, donc j'ai un petit programme test, comme toujours, compilé pour voir que j'ai un bon départ, ça compile. Fait que j'utilise une file, donc interface Q. Je vais y mettre des chaînes de caractères, je vais l'appeler Q. Donc, j'ai une variable Q de type fil. Je vais créer un objet linked Q, aussi pour mettre des chaînes de caractères. Comme je suis bien parano, je vais compiler ça, ça marche. Je vais ajouter... OK, je vais vous montrer d'abord la structure de mon code, de l'application. While not done, donc, il va falloir déclarer done. Boolean, done, false. Ensuite, je vais utiliser int iter égal à 0. Donc, iter comme itération. En réalité, j'aurais aimé mettre while true pour que ça tourne pour toujours, cette affaire-là. Mais comme je veux vous montrer la sortie, je vais me limiter à un certain nombre de tours de ma boucle. Donc, je vais dire, quand iter est plus grand que 30, on va dire que terminer est égal à vrai. Pour pouvoir avoir une boucle infinie, il faut évidemment que iter soit incrémenté à chaque tour de boucle. Puis si on veut voir ce qui s'est passé, on va afficher un petit message. System out, print line, done. Comme ça. Donc on va voir si ça compile. Pas pire. On va exécuter ça. Évidemment, ça ne va pas rien faire. Ça ne va rien faire de spectaculaire, là. Ça fait juste afficher. Donc, ça vous donne une idée là, de la où je m'en vais avec ça. Il va y avoir une boucle. Puis tant que je n'ai pas fini ce que j'ai à faire, je vais tourner. Avant d'aller dans ma boucle, je vais faire NQ de 0.
puis NQ de 1. Vous allez voir que moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant au niveau résolution de problèmes, au niveau approcher des choses, d'essayer de faire des solutions abstraites, élégantes et générales. Ici, on va dire string S. S est égal à Q.dq. On sort quelque chose de cette file-là. Puis on va afficher l'élément. System out println S. Comme ça. Puis on va faire Q.nq de S plus, donc concaténation 0, QNQ, S plus 1. OK, donc là, j'ai mis pas mal de lignes blanches pour que ce soit lisible. Je vais les enlever pour que le code soit compact puis qu'on puisse voir les éléments importants. Ça. Comme ça. Est-ce que j'ai fait des erreurs de syntaxe ou autre? Non? OK, on va compiler ça. Hey, ça compile. OK. Je vous propose ça, un algorithme assez simple. Je vous donne un hint que ce même algorithme-là, j'aime à l'utiliser pour implémenter des crawlers qui vont aller sur Internet et qui vont trouver un ensemble de liens à partir d'une source vers une destination. Je l'utilise pour trouver les plus courts chemins dans un labyrinthe. Je l'utilise pour résoudre énormément d'applications. Vraiment, une petite idée, quelque chose qu'on peut mettre dans sa boîte à outils, puis plus tard, dire « Ah, j'ai un problème à résoudre. » Je vais utiliser quelque chose comme ça. Ça fait quoi, cette affaire-là? Dans un premier temps, je veux savoir ce que ça fait. Puis après ça, on va se poser des questions sur, je voudrais des propriétés, si possible, mathématiques pour cet objet-là. Un peu dans la même idée de votre cours de maths discrète. Oh, ouais. Il y a des liens entre les cours. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça va faire, ce truc-là? Oui? Moi, je vois qu'à chaque fois, tu dis Q, tu NQ deux choses. OK. Donc, il va avoir une idée qu'il y a quelque chose qui va… Pour chaque chose que j'enlève, je rajoute deux. Alors, il y a une idée de croissance là-dedans. Oui? Qu'est-ce que ça va afficher ici? Qu'est-ce que ça affiche la première fois? Bien, S, c'est DQ. Est-ce que ça va être 0 ou 1? Peut-être 1? C'est pas une pile, c'est une file. J'ai rentré le 0 en premier, c'est le 0 qui va sortir. Ça va imprimer 0. Qu'est-ce qu'on va faire? On affiche 0. 0, j'y ajoute un 0 à la fin. Ça fait? 0, 0. Ça va à l'arrière. Mon 0, j'y rajoute 1, 0, 1. Ça va à l'arrière. Qu'est-ce que j'ai à l'avant de la file? 1. J'affiche 1, j'ajoute 1, 0. 1, 1. Ces deux choses-là vont à l'arrière. Qu'est-ce qui est à l'avant? 0, 0. J'affiche 0, 0. Je rajoute 0, 0, 0. J'ajoute 0, 0, 1 à l'arrière. On l'essaye.
OK. Je sais, c'est pas super impressionnant, là, mais on va faire de quoi le fun avec. 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, etc., etc. Si je disais, sors-moi, fais 1000 itérations de ce truc-là. OK. Ça génère des chaînes de caractères qui ont des 0 puis des 1. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur mon algorithme? Ça génère des chaînes de 0 puis de 1. Il y avait une idée de croissance. Est-ce que vous voyez comme deux propriétés assez fortes qui sont derrière ce petit algorithme? Oui? Donc, il y a une idée que c'est exhaustif. On ne va pas manquer, oublier aucune chaîne. On les a toutes. On a commencé avec les petites, 0, 1, celles de longueur 2, celles de longueur 3, 4. On est systématique. Puis, tu allais continuer, je pense? Non, c'est ça. Donc, on énumère toutes les chaînes de 0 puis de 1, puis on les énumère en ordre croissant de longueur. On a vraiment, avant de s'attaquer aux chaînes de longueur 2, si on recommence ce truc-là, j'ai généré toutes les chaînes de longueur 1, il y en avait 2. J'ai généré toutes les chaînes de longueur 2, il y en avait 4. J'ai généré toutes les chaînes de longueur 3, il y en avait 8, 2 à la 3. J'ai généré toutes les chaînes de longueur 4, il y en avait 16, 2 à la 4. Je les génère toutes, puis je les génère en ordre croissant de longueur. Tout le monde est convaincu? OK, on est pas mal bon. On va modifier l'algorithme un peu. Un algorithme complètement différent. Est-ce qu'il compile? Sûrement. Oups, là, JavaScript. Ça compile. Qu'est-ce que celui-là fait? Oui? Ben, si on dit que L, A, U, D, ça veut dire that right top down. Ah! Où t'as pris ça? OK. OK. T'es un petit peu trop loin. Si on reprend, si on fait un pas en arrière. Ça génère des chaînes qui sont composées de quatre lettres à l'air UD. Est-ce que ça les génère toutes? Oui. On n'en manque pas. On est systématique. Est-ce qu'on les génère dans l'ordre croissant? Bravo. Donc, on génère en ordre croissant des chaînes de caractères qui sont formées de LRUD. S, on pourrait dire que c'est comme solution. Pas de même, ça s'écrit par exemple, là, mais solution. Non plus. Solution, there we go. Est-ce que ça compile? Oui. Oh! Oh, oh, ah, OK, vous avez compris l'idée. On va revenir en arrière. S, c'est un bien bon nom.
finalement, S comme solution. On est en train de générer des solutions à des problèmes. Évidemment que tu as vu dans mon jeu, je n'étais pas très subtil avec LRUD. On peut donner une sémantique à ces chaînes de caractères-là. On va dire que ce sont des chemins. OK, donc je vais juste sauter un petit peu vers l'avant. Donc, mes LRUD sont des directions dans un plan à 2D. Left, right, up, down. Chaque chemin, on peut lui donner le sens, ou chaque chaîne de caractères qui a été générée, on va lui donner le sens de chemin ou path en anglais. Donc, le chemin qui est D, c'est d'aller vers le bas. Le chemin qui est DRR, c'est va vers le bas, va vers la droite deux fois. Puis si on prend le dernier exemple ici, l'interprétation qu'on va faire d'une chaîne qui s'écrit DRRU, c'est va à partir d'un point de départ, va vers le bas, va vers la droite deux fois, va vers le haut. C'est celui d'en haut. C'est, oui. OK, je vais rapetisser mon écran, comme ça je vais voir mieux. C'est celui-là. On va vers le haut, on va vers la droite et on va vers la droite. OK, ça correspondait à ça. OK, donc on a donné un sens. Fait que là, on a une machine, un petit algorithme qui est en train de générer tous les chemins possibles de façon exhaustive avec la très belle propriété qu'on les génère en ordre croissant de longueur. Ce qui fait en sorte que dans quelques minutes, quand on aura ajouté des éléments comme des obstacles puis des choses comme ça, on est en train d'énumérer des chemins. Puis quand on en aura trouvé un, il va être forcément le plus court. Parce que s'il y en avait un plus court, on l'aurait trouvé à l'itération avant, puis on l'aurait rapporté. Donc, on a un algorithme qui, de façon systématique, va explorer tous les chemins possibles dans un espace à 2D et va nous trouver le plus court chemin entre l'entrée et la sortie. On avait l'an passé un devoir qui avait un jeu vidéo où il y avait un point qui tentait de fuir. Bien, on pouvait utiliser ce genre d'algorithme-là pour trouver un plus court chemin entre deux points. Il y a plusieurs années, j'avais un algorithme. Je jouais pas mal à Zelda à ce moment-là. Puis, là, j'ai le nouveau Zelda, mais mon fils a emprunté notre console pour jouer avec le nouveau Zelda. Puis, j'ai pas revu la console. Donc, j'ai pas joué. Mais j'avais un puzzle où j'utilisais un algorithme comme ça pour trouver la plus courte solution. Je ne sais pas si vous savez, s'il y a des joueurs de Zelda, mais il y avait un puzzle où Link est sur une grille, il y a deux méchants, puis à chaque fois que Link fait un pas dans une direction, il y a un des méchants qui bouge dans la même direction, puis l'autre dans la direction opposée. Si Link va à gauche, un des méchants va à gauche, l'autre va à droite. Puis le but, c'était que Link devait se promener sur la grille, de sorte que les deux méchants arrivent à des endroits spécifiques. Puis évidemment, là, on a la princesse ou quelque chose qui arrive de magique. On peut utiliser cet algorithme-là pour ça. OK, donc vraiment un bel algorithme général, super simple. Pour rendre ça plus réel, on va ajouter des obstacles. Donc, il y a des cellules sur lesquelles on ne peut pas traverser ces cellules-là. On ne peut pas traverser, il y a un mur, il y a une armure. Dans une autre version du puzzle que j'avais, une autre version du devoir, c'était un peu Donjons et Dragons, il y avait un monstre à quelque part. Puis pour aller au monstre, bien, il fallait d'abord passer pour ramasser une épée. Après ça, il fallait aller combattre le monstre. Puis là, ça nous permettait d'avoir l'argent à la fin.
même, encore une fois, un algorithme de ce type-là peut être utile. Okay, donc là, on ajoute la notion de cases qui ne sont pas accessibles. Comment est-ce qu'on va gérer ça dans notre algorithme? Je suis à la pêche, là, j'ai quelques mains, mais j'en cherche d'autres. OK. Troisième personne. Juste là. Ouais, c'est toi. OK. Donc, on voit qu'il y a une file, hein, on l'a vu tout à l'heure. On utilise la file comme réservoir de chemin. Est-ce qu'il y a un avantage à prendre un chemin qui n'est pas valide puis de le remettre dans la file? Oui. Ah oui? Quel est-il? Comme ça, on saura qu'on peut plus l'utiliser. Parce qu'il n'est pas valide. Mais il va servir à quoi ce chemin pas valide-là? Entre autres, moi, ce que je pense, c'est étant donné un chemin non valide, donc je suis passé sur, j'ai fait down, down, puis je suis sur cette cellule-là. Est-ce que je peux ajouter quelque chose à la fin, puis produire un chemin utile? Non. Donc, oui? C'est ça, ça va devenir hyper avantageux de ne pas remettre des choses dans la file parce que ces choses-là ne sont pas productives. Un chemin qui passe à travers un mur, peu importe ce que je vais y rajouter après, c'est un chemin qui passe à travers un mur. C'est un chemin qui n'est pas valide. Donc, en les éliminant, on va diminuer notre espace de recherche puis on va avoir un algorithme beaucoup plus efficace. OK, donc, on va utiliser cette chose-là, on va jouer avec. Je veux partir d'ici, puis je veux arriver là. Donc, au début, dans ma file, donc je vais représenter la file comme ça. Ah, j'ai une question, Mathieu, je crois. Oui. Bien, je vais commencer avec juste ça, moi, si ça ne te dérange pas. Je vais commencer avec le chemin vide, puis le chemin vide, ça veut dire que je n'ai rien fait. Je suis là. Je suis sur le X, je suis là. OK? Fait que là, tu me... Je sors ça, ma file est vide. S est égal à chaîne vide. J'ai quatre extensions possibles. L, R, U, D. Le chemin L, utile ou pas? Non. Qu'est-ce qu'on fait avec? Terminé. OK. R, est-ce que c'est utile? Qu'est-ce que je fais? On met dans NQ. On va dans la file. Lui, c'était bon. Hop! À moins qu'on ait un tort, là, c'est pas utile. Terminé. D, c'est-tu utile? On le met dans le file. On recommence. Ma file contient juste D. S est égal à R. J'ai quatre extensions. L, R, U, D. R, L. Right, left. Est-ce que c'est utile, ça? Est-ce qu'il existe un chemin qui tourne en rond, mais qui est plus court que le chemin, qui passe à la même place, mais qui n'a pas cette boucle-là? Non, hein? Un chemin qui a une boucle, j'enlève la boucle, je vais aller de la même source à la même destination, puis je vais avoir sauvé les opérations où je tournais en rond. Fait qu'à chaque fois qu'on tourne en rond, on va dire, non, nah. Oups, pas très bon. Right, right, dans un obstacle, pas bon. Terminé. Right up. Pas bon.
write down. Ah bon. Ma file maintenant contient juste le D, je le sors, la file est vide. S est égal à D. Quatre extensions. Donc, DL. Down, left, pas bon. Down, right, pas bon. Down, up, pas bon. Down, down, c'est bon. Fait qu'on va mettre dans notre file D, D. Je sors ça de la file. S est égal à DD. Je peux y ajouter quatre éléments. L, R, U, D. DDL, c'est pas bon. DDR, ah, ça a de l'allure. Je mets dans ma file D, D, R. DDU, donc down, down, up, pas utile. Down, 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 je me relance à l'extérieur, pas utile. J'ai juste ça. Je sors de la file, file est vide. S est égal à D, D, R. Quatre extensions possibles. Je peux ajouter L, R, U, D. Donc, je vais effacer un peu parce que ça commence à être encombré, mon petit dessin. Je reviens là. Donc, down, down, right, left, pas utile. Termine. Down, down, right, right, c'est bon. C'est une solution qui me permet d'aller de la source à la destination. Qu'est-ce que je fais? On arrête cet algorithme-là. On a trouvé le plus court chemin entre l'entrée et la sortie. Je vous en propose un autre labyrinthe. Je vais aller plus vite pour celui-là, parce que je sais que vous avez compris l'idée. Mais avec celui-là, ce que je veux savoir, ce qui m'intéresse, c'est de parler de la longueur de la file. OK, donc je débute ici. Puis je veux me rendre au carré qui est là. OK, donc, au début, ma file contient seulement le chemin vide. Je le sors. CS est égal au chemin vide. J'ai mes quatre extensions. Left, right, up, down. Donc, des quatre extensions possibles, il y en avait juste deux qui étaient utiles. Je prends l'élément avant, j'appelle ça S. S est égal à R. Il y a quatre extensions possibles. Donc, R et left, pas bon. Right, L, R. Donc, R encore. Right, right, bien de l'allure. Ma file contient D, j'y ajoute R, R. Ensuite, on avait R, U. On sort vers le haut. RD, on s'en va vers le bas. Ces deux chemins qui ne sont pas utiles, je ne les remets pas dans la file. Ma file contient DRR. Je sors l'élément avant, CS. S est égal à D. Il y a quatre extensions possibles. Down, left, pas utile. D, R, pas utile, D, up, pas utile, et DD, utile. Donc, ma file contient R, R,
DD. Je sors l'élément avant, CS. Ma file contient maintenant juste DD. L'élément avant, c'est RR. Il y a quatre extensions. Je peux ajouter LRUD à la fin. Je vais effacer un peu parce que ça commence à être encombré. Je reviens. Donc, R, L, c'est pas utile. R m'amène dans un obstacle. R, U me fait sortir de la grille. R, D, c'est bon. Ça retourne en arrière. J'ai donc D, D, R, D. Je sors le DD. DD va avoir quatre extensions. Donc, on a dit D, D, ça m'amène ici. Aller à gauche, ce n'est pas utile. Aller vers le bas, ce n'est pas utile. Aller vers le haut, ce n'est pas utile. Il y a seulement D, D, R qui est utile. Donc, je vais mettre ça dans ma file qui contient maintenant R, R, D. Puis, on vient de dire D, D, R. Comme ça. Quelques itérations de plus, puis on y est. S est égal à l'élément avant, c'est RRD. RRD nous amène ici. Est-ce qu'il y a une extension valide à RRD? Non. Rien ne retourne dans la file. La file contient juste DDR. Retire, j'ai file vide. Pour DDR, des quatre extensions possibles, il y a seulement D, D, R, D, qui est intéressant. Je retire cet élément-là, la file est vide. S est égal à D, D, R, D. Donc, D, D, R, D. Des quatre extensions possibles, il y en a qui nous amènent dans des obstacles, à l'extérieur, revient sur nos pas, ou celle-ci est intéressante. D, D, R, D, R est une solution qui nous amène de l'entrée vers la sortie. Alors, je reviens à ma question de départ. Pouvez-vous me dire quelque chose au sujet de la longueur de la file? Pardon? Oui? Est-ce qu'on parle par rapport au chemin? Par rapport à la grille, en fait. Pendant que vous y réfléchissez, là, je vais juste voir si je ne peux pas me trouver un autre dessin. Moi, je prétends que ça, c'est une grille assez extrême. Une grille qui va donner des difficultés à mon algorithme, possiblement. Celle-ci, elle a quelque chose de particulier. Juste derrière, Mathieu. Oui. Il y a seulement une bonne réponse ici. Bien. Si on regarde, c'était quoi la longueur maximum de la file? C'était 2. Pourquoi c'était 2? Oui? Il y avait 2 chemins valides. Cet algorithme-là, ce qu'il fait, il maintient une file qui contient les chemins qui sont présentement valides. Ici, à partir de la grille de départ, il y avait 2 chemins qui étaient prometteurs. Donc, la file contient les chemins qui, présentement, sont des chemins qui sont valides. Il y en avait 2 valides. Dans l'autre diagramme que je vous avais montré, celui-ci aussi, il y avait, au début, il y avait 2, il y avait une bifurcation. Celui-là
est un très grand défi. C'est un très grand défi parce que ça, c'est tout, c'est valide. Donc, OK, tout le monde est en voiture, L-R-U-D. Je prends l'élément avant. Donc, aller à gauche. Je suis ici. Des quatre possibilités, quelles sont valides? Il y en a trois. Donc, j'ai R-U-D-L-L. La file va devenir rapidement très, très longue parce que pour chaque mouvement que je fais, il va y avoir généralement trois extensions valides. Donc, l'idée de croissance qu'on parlait au début, pour une chose que je vais rajouter, que je vais retirer, je vais en ajouter trois à l'arrière. Je retire une chose, j'en ajoute trois à l'arrière. Je suis en train d'explorer une structure arborescente d'une profondeur K avec un facteur de branchement 3, ça va croître comme 3 à la K. C'est assez agressif, ce truc-là. Donc, ce qui est intéressant à voir ici, c'est plus il y aura des obstacles dans la grille, moins il y aura de chemins valides, plus ce truc-là sera efficace en termes de mémoire et en termes de temps de calcul. So far, so good. OK, c'est pas... Juste voir si je peux trouver un site intéressant. OK, donc je suis sur le site du cours. Dans les notes, sous la rubrique application des fils, il y a un lien ici. Qui est une application qui est assez bien fait où on peut. Il me semble, faudrait lire les instructions, là, mais on peut ajouter des obstacles. Comment est-ce qu'on fait pour mettre des obstacles? Donc, on peut choisir, par exemple, un algorithme. Breadth first search. Donc, je vous invite à jouer avec, là, mais on voit ce que l'algorithme fait comme exploration. Je vais faire une pause. On voit qu'ici, l'algorithme qui utilise la file pour faire ses recherches, au début, il regarde tous les chemins de longueur 1. Après ça, il regarde tous les chemins de longueur 2, tous les chemins de longueur 3. Il explore comme ça, de façon concentrique, son environnement. Si vous jouez avec ça, on peut ajouter des obstacles, on peut changer l'algorithme qui est utilisé, puis on peut voir lequel est plus efficace dans un contexte ou dans l'autre. Est-ce qu'on pourrait changer pour notre algorithme la file par une pile? On l'a déjà fait. L'algorithme Floodit, c'est un parcours. Au lieu d'être en largeur, c'est un parcours qui est en profondeur. Quand on utilise la file, donc je vous montre, je fais un petit dessin, ce ne sera pas bien long, je vais juste effacer ce que j'ai là. OK. Quand j'utilise une file, je regarde autour de moi, je dis L, R, U, D, puis ça, c'est ma file.
Je prends l'élément avant. Il y a quatre extensions possibles. L-R-U-D. L-R-U-D. Comme j'ai utilisé le L, l'avant de ma file est plutôt ici. Et j'ai ajouté maintenant LL, LR, LU, LD à la fin. La fin de la file est ici. Donc, ça commence ici, ça finit là. Je prends l'élément avant, je sors le R, j'ai quatre extensions, L, R, U, D, des choses que je peux remettre à l'arrière. Donc, maintenant, l'avant s'est déplacé ici, l'arrière est là. Je vais traiter tous les éléments du niveau K avant de traiter les éléments du niveau K plus 1. Je vais donc traiter le U, traiter le D. Une fois que j'aurai terminé ce niveau K-là, oups, ça c'était le bouton pour sortir, l'avant va s'être déplacé, il va être ici. Je vais regarder les quatre extensions possibles. Donc, mon algorithme qui regarde tous les chemins de longueur 1, tous les chemins de longueur 2, tous les chemins de longueur 3, il est en fait en train de construire un arbre de recherche niveau par niveau. Il a fait tous les chemins de longueur 1. Bien, 0, c'était le chemin vide. 0, 1, tous ceux de longueur 2, tous ceux de longueur 3. Je ne vais jamais commencer quelque chose de longueur 4 avant que j'ai fini l'énumération de tous les éléments de longueur 3. Puis il procède comme ça, systématiquement, niveau par niveau. C'est pour ça qu'on l'appelle parcours en largeur, la largeur de l'arbre. J'efface ça. Puis, on réfléchit à ce qui se passe si on avait utilisé une pile. OK, donc au début, j'ai un chemin vide. Il y a quatre extensions, L, R, U, D, puis je les ai mis sur une pile. Quel est le premier élément qui sort? D. D a quatre extensions possibles, je peux lui ajouter L, R, U, D. J'ai maintenant, en dessous de la pile, j'ai L, j'ai R, j'ai U et je remets DL, DR, DU, DD. Quel est le dernier élément à ajouter? DD. Je le sors, il y a quatre extensions. Quel est le dernier élément que j'ai remis? DDD. Je le sors. Il y a quatre extensions possibles. Quand j'utilise une pile au lieu d'une file, le même algorithme que tout à l'heure, mon parcours, il est, pour cet arbre de recherche-là, il n'est pas niveau par niveau, il n'est pas en largeur, il est soudainement en profondeur. Cet algorithme-là, il fait comme dans le jeu Flood It, il dit, je m'en vais dans une direction. Tant que je ne vais pas frapper un obstacle, je descends. Quand je frappe un obstacle, je reviens sur la pile, je sors ce qui est là, quelles sont maintenant les extensions possibles, je pourrais aller par là. Quand il va partir par là, ensuite il va retourner là, il va s'essayer d'aller par là. Après ça, il va faire comme ça, il va s'en aller là, il va s'en aller là, comme ça, etc. Cet algorithme-là va essayer d'aller le plus loin qu'il peut. Est-ce que cet algorithme-là est garanti de trouver le chemin le plus court? Non. Cet algorithme-là, parfois, il est intéressant parce qu'il va rapidement trouver des solutions, dépendant des conditions du problème, mais parfois, il peut être vraiment très bête. On peut imaginer ici que en fait, okay, ce serait plus utile si j'utilisais celui-là. Je vais effacer.
Je vais me faire des obstacles. Et donc, les gribouillis, c'est des obstacles. Donc, mon point de départ, c'était ici. Puis, imaginez que je veux me rendre jusque-là. Ou peut-être pour rendre ça un peu moins évident, là, je veux me rendre ici. Mais j'ai utilisé une pile. Puis là, imaginons que je mets les éléments dans l'ordre D, L, U, R. Donc, j'ai mis D, L, U, bon, en fait, j'aurais pas mis sur la pile, si on veut, on va revenir en arrière un peu. J'aurais fait ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire D, c'est valide. Left, c'est pas valide. Up, c'est pas valide. R est valide. J'ai mis R sur le dessus. Je retire le R. Des quatre extensions possibles, il y a RR qui est valide. Je remets RR sur le dessus. Je retire l'élément du dessus. Des quatre extensions possibles, il y a R, R, D qui est valide. Puis vous avez compris, cet algorithme-là va trouver un chemin. Il va trouver un chemin. Mais il va trouver le chemin où on est parti, puis on a fait le tour du carré pour s'apercevoir que la sortie était juste à côté. Donc, oui, ça fonctionne, mais c'est un algorithme qui a des propriétés différentes. Ça vous va? Moi, j'aime le regarder, l'algorithme, celui qui utilise une file de cette façon-là. C'est un algorithme qui utilise une file. Cette file-là, c'est vraiment important qu'on y mette seulement les chemins qui sont valides. Il n'y a aucun avantage à mémoriser un chemin qui n'est pas valide. On sort toujours des éléments. On regarde quelles sont les extensions possibles. Celles qui ne sont pas valides ne sont pas remises à l'arrière de la file. Celles qui sont valides retournent à l'arrière de la file. Et on boucle comme ça, retire, ajoute, jusqu'à ce qu'un élément intéressant soit sorti. Et donc, ça, c'était un ancien devoir où il y avait un petit éditeur en Java. On entrait un labyrinthe à l'aide de caractères et l'algorithme trouvait une solution avec l'algorithme de parcours en largeur. Cet algorithme-là utilisait deux méthodes. CheckPath puis ReachesGoal. Il y avait comme structure de données une représentation du tableau comme étant un tableau de caractères. On dépose un certain caractère pour représenter les obstacles. La méthode CheckPath reçoit une chaîne de caractères qui va être décortiquée, analysée comme étant un chemin. J'utilise un tableau ici à deux dimensions de booléen pour mettre des miettes de pain. Quand je pile sur une cellule, je mets une valeur vraie dans la cellule pour marquer le fait que je suis passé sur cette cellule-là. Ça va me permettre de détecter les cycles dans les chemins. Au début, j'étais dans le coin en haut à gauche. Avant d'énumérer le chemin, il est valide. Et l'algorithme CheckPath, c'est tout simplement, tant que le chemin est valide, tant que la position courante, c'est
est à l'intérieur de cette chemin, de cette chaîne de caractères-là, extrait le caractère à la position courante. En fonction de la direction, en fonction du caractère, si c'était gauche, on décrémente la variable colonne, donc colonne égale à colonne moins 1. Si c'était right, colonne est égale à colonne plus 1. Si c'était up, row, donc rangée est égale à rangée moins 1. Si c'était down, rangée est égale à rangée plus 1. On est donc en train de simuler le travail. Au début, on est sur la première cellule. Le premier caractère, c'est down. On va dire rangée égale à rangée plus 1. Deuxième élément, c'était right. On va dire colonne égale à colonne plus 1. On va simuler les déplacements. À chaque fois qu'on a une petite extension comme ça, on va regarder, est-ce que je suis à l'intérieur de du tableau? Sinon, ben, ce n'est pas valide. Est-ce que je suis en train de tourner en rond? Est-ce que j'ai déjà visité cette cellule-là? Si oui, ce n'est pas valide. Et si la cellule sur laquelle je suis présentement, c'est le caractère mûr, une autre situation où ce n'est pas valide. Sinon, je mets un petit morceau de pain sur la cellule sur laquelle je suis. Visited, row, column, égale à true. Et je tourne comme ça. J'analyse le chemin. Si je me suis rendu à la fin, si pause était égal à la longueur de la chaîne de caractères et que valide est encore vrai, j'ai un chemin qui est valide. Ça vous va? Oui. Non, wall, c'est vraiment... Wall, c'est défini comme étant le caractère ça. Wall, c'est un... Je regarde dans une cellule, s'il y a un caractère blanc, c'est disponible. Si c'est un caractère comme ça, c'est un mur. Si tu veux jouer genre Donjon Dragon, tu peux dire, bien, si c'est un point d'exclamation, c'est une épée, si c'est un monstre. Tu peux ajouter plein de choses à l'algorithme comme tu veux. Une question derrière? C'est comme les tuiles noires. C'est les tuiles noires qu'on avait avant. Reaches goal, lui, est vraiment simple. Reaches goal, on va l'appeler seulement si on a un chemin valide. Donc, puisqu'il est valide, on n'a plus besoin de faire toutes les validations. Est-ce que je vais à l'extérieur? Est-ce que je passe sur une tuile occupée? Est-ce que je tourne en rond? Donc, tout ce qu'on fait, c'est la simulation. Pour pause, égale à zéro jusqu'à la longueur du chemin, j'extrais un caractère. En fonction du caractère, je modifie colonne et rangée. Puis à la fin, si la cellule sur laquelle j'atterris, je me rends, c'est le symbole de sortie. Bravo, j'ai trouvé un chemin qui me mène vers la sortie. Et donc, ça, c'est mon petit algorithme. Il est assez simple de le modifier. Peut-être qu'on va faire ça dans le prochain lab. On est en train de voir ce que c'est, là. Des fois, je fais des... On appelle ça des araignées, ou en bon latin, crawler. Un algorithme qui va parcourir le web. On part d'une page web, on extrait tous les URL, où est-ce que je peux aller, puis on peut utiliser le même algorithme pour se déplacer sur Internet, puis trouver des séries de liens qui mènent d'une source à une destination. Donc, c'est vraiment un algorithme qui est super versatile. Puis, il suffit de modifier l'algorithme, de changer la file pour une pile, puis on a un algorithme de recherche qui fonctionne aussi, mais qui a des propriétés très différentes. Avez-vous des questions avec ça? OK. Avez-vous un examen après? Ah! Vous avez tout le temps. C'est qui le prof, là, que j'y parle?
Voulez-vous moins d'examens? Non, les examens sont là pour vous préparer. C'est qui? OK. OK, on va se parler. All right, bien d'abord, je vais vous laisser aller à votre examen. Vous allez arriver à l'heure, vous allez avoir 5 minutes d'études, puis vous allez avoir un succès. OK, bonne chance.